Yo les gens, allez, je pense qu'aujourd'hui il est temps de se changer les idées et on va faire un petit peu de jeu. Alors dans les épisodes précédents, pour rappel, on avait trouvé un objet un petit peu particulier qui avait été pris par notre oncle et la petite souris qu'on incarne est partie à la recherche du coup de notre oncle. On a des petits pouvoirs spéciaux et on apprend plus ou moins à s'en servir par moment et on va continuer de découvrir tout ça. Donc je sais pas encore trop où est-ce que je vais aller. Alors je vois qu'il y a une plateforme ici, je sais pas si ça a un intérêt. Comme c'est là, ça pouvait glisser ici aussi. Ah ouais, d'accord, ici ça bouge. Ah, il y a une racine à casser là. Je sais pas si on voit bien. Hop. Si je me mets dessus, est-ce que ça ouvre? Ah non, ça a bougé ça, d'accord. Alors je vois qu'il y a des petits carrés aussi là. Peut-être qu'il y a des plateformes à bouger. Non, ça change rien, ça. Ça change rien, et... Alors, on va pas se faire mal, ici. Alors, visiblement, on peut passer là-bas de l'autre côté, mais là, je suis bloqué. Donc, je casse les pots, hein, ça coûte rien. Où est-ce qu'on arrive là? Ça change un peu là. On a des nouveaux. Un nouveau style de décor, je trouve. Alors. Bon, là, je suis le chemin, on va bien voir. J'avais pas l'impression d'avoir d'autre choix, donc j'ai continué. Alors, par contre, ici, ça serait bien de ne pas tomber. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oh. Ok. Ouais, coco. Allez. Oh, chouette. Ah, un trésor. Ok, là, je peux le tirer. Parfait. Et ben va ouvrir. Qu'est-ce que j'ai trouvé? On dirait un gant. Ah. Aucun animal ne s'est jamais aventuré dans l'arbre sacré d'un lutin. Ces mots émergeaient des feuilles. Tu dois prouver que je ne me suis pas trompé en te confiant la relique de verre. Visiblement, j'ai trouvé un camp. On va voir à quoi il peut servir. Oh non. Ça m'a fait paniquer ces petits cubes. Donc je suis reparti de là où je suis venu. Mais il y a des chances que mon gant, il ait peut-être des pouvoirs particuliers. Ah ouais, d'accord, il fait apparaître en fait des plateformes au fur et à mesure que j'avance. Et donc là, je vais pouvoir atteindre ce levier. Parfait. Ah, il me semble bien qu'il y avait des choses là-dessous. Alors, est-ce que je peux le prendre et l'emmener quelque part, cette statue? Non. Pourquoi? Est-ce que le fait de sauter ici... Ouch. J'avais pas vu ça. Alors je crois que je peux te soigner. Parfait. Ça c'est plutôt intéressant. Ok, là il y a un cube. D'accord. Donc je pense que... Ouais voilà, il doit y en avoir un autre pour aller sur le second levier là-haut. Non, même pas. Il y en a un ici.
Attendez voir. Si. Ah, je peux même pas monter sur cette plateforme. Bizarre. Là, si je mets là-dessus. Est-ce que maintenant je peux prendre cette. Non, ça veut pas. Alors, il va falloir réfléchir un peu. Ah, ok, j'ai trouvé. En fait, je vais pouvoir la faire glisser. Non! Bon. Ça, c'est un peu la tradition, j'ai envie de dire. Dans chaque épisode, il faut au moins qu'elle meure une fois. Ah, ok, d'accord. Donc là, maintenant, la statue, elle est bloquée. Il va falloir que je remonte. Je vais faire lever ça. Je vais pouvoir la faire passer dessus. Ensuite, je m'enlève, elle va glisser. Et là, vous voyez les marques, justement, au sol. Et je pense que, voilà, ça servait à ça. Ok, maintenant, on va baisser la plateforme. Je m'enlève, ça va se relever. Ah non, ça se relève pas. Ah. Ah, je peux plus le reprendre. Donc visiblement, c'est que ça doit être sa place. Très bien. Par contre, moi, je peux pas atteindre là-haut l'autre passage. C'est ça que je comprends pas trop. Peut-être aller voir derrière, on sait jamais. Ah, c'est ça, voilà. En revenant en arrière, je vais pouvoir récupérer l'autre passage. Alors, comment par contre? C'est ça que je sais pas trop. Ah si, en prenant cet ascenseur, je me souviens. Du coup, j'arrive ici, je saute là. À nouveau, ok. Bien. Et là, on va accéder au levier. Si tout va bien. Un petit pot, ça fait toujours du bien. Alors, le levier nous fait apparaître une nouvelle figurine. Je vais aller faire monter la plateforme. Hop. Je la fais glisser. Je vais la pousser là-bas. Et maintenant, je vais sauter. Hop. Et voilà. Normalement, je pense que la porte va s'ouvrir. Super! Un bon début. Mais il faudra continuer de t'entraîner si tu veux que Vada t'accepte comme championne. Je reviendrai quand tu seras prête. Bien joué. Quill et le lecteur était de nouveau en présence du crapaud grincheux. Une épreuve. Ça ne prouve absolument rien. Je parie qu'ils n'arriveront même pas à trouver le deuxième portail. Donc apparemment, je doute sur le fait qu'on puisse trouver un deuxième portail. Très bien. Ah, donc il faudrait déjà monter sur le portail rouge là-haut. Ça sent pas bon, ça. Ah, pardon, ça lui fait mal. Ok. Alors, je sais pas, le crapaud il m'indiquait vers ici. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à aller voir ici? À moins que je me lance, je vais peut-être avoir des cubes qui vont apparaître maintenant. Non. Ah non, il faudrait que je retourne en arrière. Et j'espère qu'il n'y a pas des stats quand même sur le nombre de fois où j'ai pu tuer
petite souris parce que franchement, c'est un peu abusé. Je suis allé voir là-bas, j'avais envie de voir si à tout hasard il y avait le retour au village comme au tout début, mais apparemment non. Allez, je vais m'arrêter ici, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et moi je vous dis ciao à la prochaine.